Rudy et Michel. Bonjour. Ça c'est Michel, là-bas c'est Rudy. Voilà, Rudy. C'est la première fois qu'on se voit. Moi je te fais la gueule. Bon bah voilà Hervé qui arrive. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je le rencontre aussi. Oui hein, c'est la première fois Nini. Voilà Nadine. C'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontré. Voilà, nous sommes en Belgique à l'Assemblée Générale de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Donc je suis avec le président Jules Tchateau. Est-ce que Jules, tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent? Mais voilà, je dis bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je suis très content d'être là. Nous sommes chez Mani et Laura Bell, une membre de l'association qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée Générale de notre organisation. Je remercie infiniment. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus de très loin, parce que Nadine, Nicole, tu viens de la Suisse, avons Nadine qui vient du Canada, nous attendons encore Rudy et Michel qui vont arriver de la France. On a Colin qui est juste à côté, qui vient de la Roumanie. Donc vraiment voir les Africains se déplacer, partir de si loin et en sumant en plus eux-mêmes le bien de transport pour pouvoir parler de la dignité humaine, du repère moral, du bon cœur et des actions citoyennes, c'est extraordinaire. Bon, j'ai envie de seulement dire à cela, bienvenue, merci d'être là, ça fait énormément plaisir et nous allons parler aujourd'hui de l'avenir de l'être humain dans notre société. Quelle est la place qu'on doit accorder à l'être humain? C'est de ça qu'il est question. Donc j'invite ceux qui regarderont aussi la vidéo de penser comment faire, soit pour nous rejoindre, soit pour nous soutenir, soit de parler de nous autour de tout simplement. Voilà, merci président. Comme vous pouvez le voir, il est trop grand, du coup je suis obligée Allez, de... Allez, bon, je descends un peu. Voilà, merci. Merci, moi qui t'ai remercié. Je suis avec Collins. Alors Collins, est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent? Je suis vraiment content. Je suis très très content d'être là. C'est la deuxième fois que je participe à l'assemblée de l'association. Moi je suis résident en Roumanie et je vis depuis 30 ans. Pour une cause aussi loin, moi je pourrais mettre tous les moyens pour participer et contribuer d'ailleurs, ainsi que l'objectif que nous soyons fixés, qu'on atteigne, qu'on montre un exemple à notre peuple. Qu'est-ce que c'est que la dignité humaine? Qu'est-ce que c'est important de me remettre l'homme au centre de nos préoccupations? Moi, je suis de ceux qui pensent que notre peuple manque un peu d'élan. Je suis de ceux qui aimeraient être un modèle. Moi, je n'ai pas la prétention non plus d'être donneur de leçons, mais je pense que ceux qui vont me reconnaître, plus se rappeler que Collins est là pour un exemple, pour montrer l'exemple de ce que c'est qu'agir. Voilà. Et c'est la première fois que je rencontre Nicole d'ailleurs. Je suis très enchantée. Donc aujourd'hui, je suis avec Christian Capto. Christian, est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent? Ben, salut. C'est un grand honneur de te recevoir ici, Nini, venant de la Suisse, pour cet événement très important pour nous, pour la vie de notre association, pour l'évolution, les perspectives futures. D'avoir fait le déplacement, c'était vraiment quelque chose qui marque ton engagement et ton ancrée fracassante dans le groupe.
Et on espère que tu continueras à faire le travail comme tu fais déjà et que nous continuerons à grandir, à prendre toujours plus de femmes enceintes en charge et donc de réduire la mortalité maternelle en Afrique en général, au Cameroun en particulier, et de mettre les enfants non scolarisés et défavorisés à l'école pour pouvoir, disons, participer à la construction de la nation. Donc, salut à tous. Merci beaucoup. Je suis avec Nadine qui vient du Canada. Nadine, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Je suis très heureuse d'être ici et de rencontrer tous les membres que je rencontre pour la première fois. Mm-hmm. Et je sais que pour ce week-end, on va travailler fort pour pouvoir sortir un plan d'action qui va nous permettre d'aider encore mieux les femmes démunies qui ont besoin de notre aide. Merci Nicole. Merci à toi. Avec Rodi, Rodi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je suis très content. C'est la première fois que je vois enfin la plupart des membres de l'association. C'est une grande joie. Ce matin, on a fait un petit footing matinal après une grosse journée de travail hier. Donc là, on est reçu chez un des membres de l'association qui nous a offert un bon petit déjeuner après ce footing. Et donc maintenant, c'est mon travail. Voilà ce que je peux dire. Merci. Non, mais c'est super bien fait. Mani, chapeau à toi, c'est super bien fait. Ça, c'est le seul repas. Et la sauce, c'est déjà jamais mais ça. La seule sauce, il faut au moins 22 ingrédients pour le faire. Non, c'est un expert. Non, il faut 22 ingrédients. On ne met pas les ingrédients en désordre. Chaque ingrédient a son nom précis dans la sauce. Ce que j'aime, c'est la banane pilée. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Avec une sauce comme ça, avec du poisson. Merci, Président. Merci. Doucement, les amis. Sa Majesté a connu Jean-Marie. Nos bonnes nouvelles idées.